Alors bonjour à tous, on est sur le chantier de Saloua. Saloua qui ne souhaite pas apparaître et je pense que c'est une bonne chose vu qu'elle est trop belle, ça va vous déconcentrer. On va rester concentré sur l'appartement. Donc Saloua, dis bonjour. Bonjour. Voilà, vous voyez, elle écoute bien, elle est sage, elle est gentille. Donc ici Saloua, ton Ouais. entrée. On rentre où ici? Raconte-nous ce bien-là. Alors on rentre ici, on a un espace pour enfin, un espace de rangement qui va accueillir ici une sorte de porte-manteau. Ensuite on a toute l'électricité ici. Tu veux mettre ton placard? Ouais. Un placard bien intégré et tout. Tu vas un peu cacher ça et mettre ton tableau là, Ouais, c'est j'imagine. ça, exactement. Ok, le petit placard dans l'entrée, comme je dis, ça fait toujours gagner de la place à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est ton toilette Oui, Gibérite, donc tu vas mettre un suspendu. suspendu. Ouais, c'est ça. Saloua a été la meilleure élève, je dirais même que elle m'a même inspiré pour un truc, vous allez voir un petit peu plus tard. Donc ici on a la cuisine, donc on aura trois modules avec un espace évier, un frigo intégré, deux plaques four et trois meubles hauts qui feront plus ou moins 1,02 m, je crois. D'accord. Alors, t'as choisi quoi pour la cuisine? Parce qu'il y avait l'hésitation Oui. entre le noir et blanc et le noyer. Et Donc, bah, le finalement. noyer, il est en rupture de stock. Enfin, non, ils reproduisent plus le noyer. Ils ont arrêté la production. Ils ont arrêté? Ouais. Ah, bon, bref, alors t'as bah, pris du quoi? coup, noir. Noir mat. Et en haut? En haut, blanc. En haut, Blanc, blanc. double porte. Blanc, double porte. Ouais. Ah, ouais, parce que on se rappelle, il était un petit peu cher, t'hésitais, tu le prends quand même? Ouais, on le prend quand même. Il rentre dans le Ouais, budget? ça y est. Et ça te coûte combien en plus le blanc, double porte? Bah là, en fait, on a une petite réduction. Et après, avec l'électroménager aussi, on a une petite réduction. Donc là, on est plus ou moins à 1 700. De tout. 1700 pour une cuisine complète, Ouais. franchement, c'est raisonnable. Franchement. Au départ, on était à 2 200 avec l'électroménager de Leroy Merlin. Et le plan de travail, t'as choisi quoi? Ben, du noir mat. Noir mat et Ouais. la crédence? La crédence, donc là, c'est soit on prend le terrazzo qu'on va mettre au sol. Donc Ok. je pense que c'est sur ça qu'on va partir. Ou soit des faïences rectangulaires blanches Comme tu vas mettre dans la neuves. salle de bain. Alors ici, au sol, ici, tu vas mettre quoi dans le... Du terrazzo blanc-gris. Vous voyez mes chaussures, on est en plein été. Hein. Vous voyez la vidéo l'hiver, mais moi, je suis en short. Donc là, dans l'entrée, ça va être le Ouais, terrazzo. ça sera le même que la salle de bain. Voilà. Donc là, quand on aura la cloison, enfin la porte qui va coulisser, tu auras le même sol. Alors la porte coulissante, elle va coulisser dans cette cloison-là Ouais, de c'est travers. ça. Franchement, bien fait, avec un petit passage. On est sur combien de mètres carrés ici? Presque, ouais, 17,6. Ouais, on va dire 18, comme ça, c'est 18. plus simple. Donc c'est un petit appartement dans le 17e, on dira pas où exactement, mais un super quartier. C'est ultra bobo, interdit au pueblo ici. Hein. C'est vraiment les petits restos qui en bas, à chaque fois que je vais chez Saloua, je m'arrête pour manger. Donc là, ça va être ta salle de bain. Alors Ouais. ici au bout, Donc au bout, on aura il n'y a pas d'électricité, je suis désolé. Hein. au bout, on aura la douche. La douche, ouais. Donc tout, en fait, tout ça sera en terrazzo. Tout le sol. Et sur le mur du fond, en fait, de la douche, ça sera aussi du terrazzo. Ok. Et sur l'autre mur qui va intégrer le Là, Gébérica, j'imagine que tu auras ouais, le petit ta vasque. lavabo, ouais, le vasque. Ok. Là, donc tu auras le point WC avec le Gébérica suspendu. Et là, pareil, jusqu'au bout. Bon, du coup, on va intégrer Le ballon? le ballon. Ah ouais, Ouais. t'as été bien formé. Qui t'a formé, toi? Ah, on t'a vu un petit peu, désolé, Ah, pardon. non mais je vais flouter. Donc là, tu vas mettre Ouais, le ballon le plat ballon, intégré. ouais, on va le mettre à l'horizontale tout en haut. Bien joué. Là, on va créer une niche juste au-dessus du Gébérite. Ok. Et donc voilà, et ensuite Et j'ai là, c'est tous la place les. pour Ouais, c'est pour la ta VMC VMC. puisque t'as pas de fenêtre dans la salle de Ouais. bain. Ok, Donc on bon. va le raccorder directement à Ou, l'existant, quoi, on va ok, dire. y a pas de problème. Donc là, ta petite fenêtre de la cuisine. Donc là, tu as un petit passage. Ouais. Donc là, on a agrandi la hauteur du passage, je sais pas si tu te souviens. Et c'est beaucoup plus bas. Ah oui, vous avez remonté le Ouais, on truc. l'a remonté. Alors attends, viens derrière moi, comme ça je pourrais montrer. Donc voilà, le passage est de plus en plus haut. Alors Bah, il était à 2 mètres avant, il du était à coup, peu à près l'époque, ouais, là. c'est ça. Et là, vous avez gratté un petit peu pour agrandir le passage. Ouais. Comme ça, c'est un mur porteur, vous n'avez pas pu l'élargir, mais vous C'est l'avez agrandi. ça. Vous avez raison. Donc là, alors, et vous avez vu, comme elle est dans Paris, elle n'avait pas été mettre le parquet stratifié qu'il faut pas, non, non, dans Paris. Elle nous a mis un beau parquet massif. En plus, c'est une super couleur. Je l'ai mis dans un appartement dans le 8e. Franchement, quand il est Selon bien. posé, il est bien huilé et tout. Ah, il est beau. Franchement, même moi, j'étais fier de moi. Nous y sommes. Ma formation sur l'achat-revente immobilier est enfin éligible au CPF. Tu bénéficieras de tous les modules de la formation ainsi que d'un coaching collectif 2 fois par semaine avec tous les autres membres de ton groupe. Tu auras également un accès privé au sein d'un groupe Telegram où tu pourras me poser toutes tes questions. Ce sera également un moyen pour moi de suivre de près ta progression.
Grâce au financement CPF, saisis l'opportunité qui t'est donnée de te former gratuitement au métier de marchand de biens immobiliers. Alors pour nous rejoindre, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la bio. Je vais pas te mentir, non, t'as eu raison de le prendre, hein, il est très beau. Et du coup, le parquet, on va le poser dans ce sens-là. Dans ce sens-là, dans, oui. Dans le sens de la lumière. Exactement. Parce que là, tu vas si tu fais ça, tu vas allonger la pièce et tu auras l'impression que ça va ressembler à un couloir. Ouais. Tandis que voilà, t'as raison. Donc alors, comment tu vas nous aménager cette pièce? Explique-nous. Ouais, donc là, c'est encore la question parce que on avait des options. On avait plusieurs options. On avait soit. Donc soit ici sur le mur du fond avoir un lit rabattable, donc avec une colonne de rangement sur le côté. Donc là normalement ça devrait passer parce que le lit fait 1m51 de large, plus 50 la colonne, ça devrait y aller. Après il faut juste régler, faut avoir des, moi ce qui me dérange un peu c'est juste avoir les mêmes niveaux de hauteur entre le lit et la colonne. Donc soit c'est du sur mesure donc il va monter le prix, soit on prend du standard et là il faudra faire un petit... Faudra que l'artisan fasse un peu de magie. Ouais, c'est ça. Fais-le faire un peu de magie. Ouais. Je te le dis tout de suite. Parce que ça réduit le prix de 3000 euros. Ouais, un petit coup de magie et un billet de 200 balles. T'inquiète pas, c'est toujours mieux. Ouais, mais du coup, on va partir sur ça. Donc là, en haut, je vois que. Alors, là, tu mets des spots en haut. Hop là. Là, au milieu, tu mets une suspension. Ouais. Moi, je pense que la suspension, c'est une bonne chose parce que t'as une très belle hauteur sous plafond. Tu sais combien t'as de hauteur sous plafond? Là, on était, bah, au départ, on était, parce qu'il y a une chape à refaire, mais on était sur des points différents, 2m85, un autre 2m75. Ah là, oui, quand même, c'est un bateau, le truc. Ouais. Ok. Et du coup, là, on a passé le faux plafond avec l'électricité. Donc là, on est plus ou moins 2m7, je crois, comme ça. 2m combien? 2m70, plus ou moins. Ah oui, parce que tu dis 2m7, je crois que c'était 0,7. Non, 70. Ouais, parce qu'on est, largement au-dessus des 2,50. Donc là, t'as ta nouvelle, ton ancienne fenêtre. Alors là, vous voyez, elle est sur une petite cour ultra agréable. L'appartement est très ensoleillé, hein. Ouais. On est exposé sud-ouest. Sud-ouest, il me semble. Voilà. Là, il y a un petit jardin accessible pour les gens de la copropriété. Oui, il va être refait. Hein. Au cœur de Paris, avec une cour franchement, elle est pas mal du tout, la petite courette. Hop là. La nouvelle fenêtre que tu vas poser bientôt. Ouais. Voilà. Là, alors le coin bureau, explique-moi c'est quoi ton histoire de coin bureau. Ben, en fait, moi je voyais, c'est la possibilité pour le futur locataire. Locataire ou propriétaire, propriétaire. On n'est pas dans la team cash flow là-haut. Propriétaire. En fait, c'est d'avoir une sorte de tablette pour poser un ordinateur portable et du coup avoir un coin. Ouais, un espace pour travailler, pour bosser. Et tu mets où ta télé et tu mets où ton canapé? Télé ici. Hop là, ouais, télé ici. Et après le... Donc ça va, dis-lui de rajouter 2-3 prises. Parce que là, t'as ton antenne, deux prises, dis-lui de rajouter encore 2 prises. Okay. Fais-moi confiance. Ça marche. Je te fais confiance. Et ta télé, tu vas la mettre où? Elle va être suspendue? D'accord. Si elle va être suspendue, il va te faire une rainure. Et tu peux garder ça seulement en bas. Et avoir deux au-dessus, c'est possible? Trois, mais trois au-dessus. Okay. Et dis-lui bien de faire passer une goulotte dans le mur. Ouais, pour les câbles. Voilà, pour que le câble HDMI passe dans le mur. Ça, c'est très important. Et n'oublie pas de faire ça, Saloua. Ouais. Parce que ça va apporter un vrai cachet à ton appartement quand le mec il va venir. Il va voir qu'il peut poser son meuble, poser sa télé, aucun fil. C'est vraiment beaucoup plus beau. Et franchement, ça va te coûter 150 euros à faire et à la vente, c'est pas du tout la même chose. Ça marche. Donc ouais, nous, on a un beau petit truc, on a un beau petit bien. Saloua qui s'est bien débrouillé. Et par contre, je veux vraiment voir le terrazzo, ce qu'il va donner. Bah, il arrive là. Il arrive aujourd'hui. Il était cherché ce matin, donc je pense qu'ils sont en chemin. D'accord. Donc voilà, vous avez vu une partie du chantier de Saloua. On va revenir quand ce sera la fin. Hein, pour... Au départ, si tu te souviens, il y avait l'espace WC qui était séparé de la salle de douche. Oui. Après, moi, je préférais avoir une seule salle d'eau. Je suis d'accord avec toi. Dans les petites surfaces comme ça, je fais pas de toilettes séparées, moi non plus. Hein. Parce que même, c'était trop. Ça faisait un peu peur. Ça fait trop de portes, ça fait trop de machins. Dans une surface comme ça, le mec, s'il veut des toilettes séparées, il a qu'à acheter 20 mètres carrés de plus. Et en général, ça les calme quand tu dis ça. Non, mais c'est un très très beau bien, vous le voyez. Avec une très belle vue. Hop là. Hop là, vue sur un petit jardin. Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a personne au-dessus. Ouais, oui, c'est vrai, il n'y a personne au-dessus. En fait, tu es sur une sorte de petite extension de l'immeuble et tu n'as rien du tout au-dessus de toi. Donc, il n'y a pas de bruit au-dessus.
C'est un restaurant que t'as en dessous? Un traiteur, ouais, ferme à 18h. Ouais, c'est un petit traiteur, donc tu peux faire du bruit. Ouais. Et personne ne fait du bruit au-dessus de chez toi. Et franchement, dans Paris, dans le quartier, c'est vraiment le type de bien qui est vraiment très très bien. Ça, ça va se vendre très très vite parce que c'est vraiment les trucs que tout le monde recherche. Si t'es pas trop gourmande sur le prix, bien sûr, il devrait pas y avoir de problème. Donc dites-moi ce que vous pensez du chantier de Salois. Et puis on va revenir une fois que ça sera fini parce que je pense que ça vaudra le coup d'être vu. La taille de ta fenêtre est vraiment impressionnante. Hein. Elle fait plus de 2 mètres. Elle fait... Attention. Non, 1,95. 1,95, oui. Voilà, parce qu'elle est vraiment grande. Hein. Elle laisse passer une lumière impressionnante. Donc voilà, à bientôt dans le prochain épisode pour voir l'appartement de Salois. Bye. Merci.